appris à voler, appris ça, à la volette, appris ça, à la volette, appris à voler. Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va chanter à la volette, la jolie petite chanson que je n'ai pas du tout connue dans mon enfance. Moi, j'ai découvert ça en regardant la série Kaamelott. Mais voilà, il est jamais trop tard pour apprendre des comptines. Donc on va la jouer, en soi elle n'est pas très compliquée, elle a deux accords, c'est un Do et un Sol 7, qui sont les accords qu'on utilise tout le temps. Et je voulais en profiter pour faire un petit arpège tout simple, à quatre doigts, qui vous permettra de jouer celle-ci et d'autres chansons, donc avec un petit arpège, une petite rythmique toute douce. Donc voilà, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, allez chercher votre ukulélé, et on est parti, c'est super fastoche. Super fastoche, super fastoche, super fastoche. Alors, pour le petit arpège, bah écoutez, on va faire vraiment au plus simple, c'est-à-dire qu'on va prendre nos quatre premiers doigts, donc le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire, et chacun des doigts va s'occuper d'une corde. Okay, donc le pouce, ce sera vers le haut, les autres, par contre, ce sera du bas vers le haut. Donc, excusez-moi, le pouce sera de haut en bas, et les autres doigts, c'est de bas en haut. Okay, on ne doit pas faire des grands mouvements de doigts, okay, on peut vraiment les laisser là où ils sont. Le but, c'est évidemment qu'à un moment, sans regarder, puisque chaque doigt fait toujours la même corde, c'est de pouvoir facilement retrouver ses repères. Donc posez vos doigts sur les cordes pour commencer. Et ce qu'on va faire, bah, c'est très simple. On va faire pouce, index, majeur, annulaire. Ok, entraînez-vous à faire ce petit mouvement. Comme pour toute rythmique, c'est pas voilà, ça vient pas tout seul. Hein. Il faut un petit peu prendre le temps de s'entraîner. Il faut prendre un petit peu le temps de voilà que le mouvement rentre dans les doigts. Ici, j'ai évidemment pris un mouvement très simple, en tout cas très facile à retenir, puisque comme ça au moins, vous ne devez pas à chaque fois vous demander quel doigt va rentrer en action. Ce sera toujours le suivant. Ok. Et alors, on va rajouter les accords. Donc le Do, hop. Alors, il y a plein de couplets, donc voilà, vous pouvez chercher sur internet pour trouver donc les paroles de l'entièreté de la chanson. La structure, c'est toujours ces mêmes accords-là, c'est juste des couplets qui se suivent, il n'y a pas de changement de structure, il n'y a pas de refrain, de grande différenciation. Donc voilà, c'est une petite chanson assez facile, en tout cas assez facile à retenir. C'est un bon petit exercice pour vous chauffer les muscles de la main droite. Et puis c'est une petite comptine toute douce à faire avec des enfants, c'est toujours sympa. Donc voilà, profitez-en, amusez-vous bien. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps, téléchargez-le aujourd'hui. Je mets le lien ici dans la description. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps de le lire, mais c'est un super motivateur justement. Si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien me remettre à la musique, mais je n'ai pas le temps parce que justement j'ai du boulot et j'ai des enfants et j'ai la famille en quarantaine et je deviens dingue. » Ce sont des choses qui arrivent. Cela dit, voilà, si on arrive à trouver juste un tout petit peu de temps pour faire de la musique et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire dans ce peu de temps-là, ben voilà, il y a moyen de progresser et il y a moyen justement, sans se mettre trop de pression et sans se fixer la barre trop haut, ben justement de prendre du plaisir et apprendre des petites choses au ukulélé en l'occurrence ou avec n'importe quel autre instrument. Donc si vous arrivez à vous remotiver pour, voilà, pour refaire de la musique, c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.